الثالث من أركان الإيمان. Troisième pilier de la foi. الإيمان بالكتب. La croyance au livre. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلام يليق به سبحانه وتعالى. لا يماثل كلام الخلق. On doit croire au fait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces livres-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle, mais il ne parle pas comme nous. Et on doit croire au fait que cette parole-là a été révélée et qu'elle n'a pas été créée. On doit croire au fait que Allah a révélé à chaque prophète, à chaque messager, un livre. نؤمن بجميع الكتب. On doit croire en tous les livres. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. Et on doit croire en tous les noms révélés, les noms de livres révélés par Allah سبحانه وتعالى. وأخبارها. Et c'est leurs informations. وأحكامها وأن القرآن نسخ هذه الكتب فلا نطالع هذه الكتب نطالع ما في القرآن والسنة. On doit croire en ces jugements et on doit croire aussi au fait que le Coran est venu abroger tous ces livres là. لا نأخذ الأحكام ولا نأخذ من الشريعة إلا من الكتاب والسنة. On ne doit prendre de notre religion que du livre d'Allah et de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها والله أعلم. On doit croire en ces livres-là mais on ne doit pas les lire aussi.